Bonsoir Julie. Bonsoir. Quelle analyse vous faites de ce dernier match contre les Norvégiennes? Match nul sans but. C'est plutôt une bonne chose pour la défense, ce que vous êtes, ou vous auriez aimé quand même que de France gagne ou marque des buts? Oui, c'est sûr que quand on est défenseur, notre objectif c'est de ne pas prendre de but et c'est chose faite ce soir. Après, voilà, on avait l'objectif aussi de gagner ce match. On prépare une grosse compétition, donc on travaille sur tous les détails. Et je pense que pour remporter la Coupe du Monde, il va falloir marquer des buts et on va essayer de travailler de ce côté-là. C'est un rassemblement plutôt intéressant pour vous. Vous avez pas mal joué. Comment vous vous êtes senti sur tous ces matchs, toutes ces disputes? Moi, individuellement, je me suis sentie bien. Voilà, ça faisait plusieurs fois que j'étais convoquée, donc je connaissais bien le groupe. Et voilà, je pense que j'ai pas eu de soucis à m'adapter sur le terrain. Voilà, c'est toujours facile de jouer avec des joueuses comme Wendy Renard qui ont de l'expérience et qui partagent ça sur le terrain. Alors on a 5 mois de la Coupe du Monde. On voit qu'il y a pas mal de tests qui sont faits, d'expérimentations. Est-ce que ça peut déstabiliser ou justement vous pensez que ça vous fait aussi évoluer et grandir de tester différentes choses? Non, je pense que ça nous fait évoluer. Voilà. À chaque fois, la joueuse essaye de prendre les joueuses en forme du moment. Elle dit que c'est la coach. Elle dit que c'est les joueuses à l'instant T. Et voilà, la réalité d'aujourd'hui ne sera peut-être pas celle de demain. Donc c'est important d'avoir un groupe, on va dire, avec de nombreuses joueuses. Vous repartez en club, là, dans quel état d'esprit, sachant qu'il y aura la liste, une autre liste au mois d'avril? Déjà, je pars dans l'état d'esprit où je suis contente d'avoir joué mes premières minutes avec l'équipe de France et d'avoir remporté ce tournoi. Après, je vais me concentrer un peu sur le club parce qu'on a des gros matchs. On joue Lyon et ensuite on reçoit Paris en Coupe de France. Donc je vais me concentrer sur ça et faire des bonnes performances. Et après, bien sûr, j'attendrai la liste. Et ces gros matchs, justement, est-ce que dans un petit coin de votre tête, vous direz c'est l'occasion justement de prouver que lors de ces matchs, je peux montrer que j'ai ma place en équipe de France? Oui, bien sûr. Après, je pense qu'aujourd'hui, tous les matchs de D1 sont regardés. Donc tous les matchs sont importants et la performance est importante à chaque match, mais c'est sûr que contre les adversaires comme Lyon ou Paris, c'est des matchs où on veut être encore plus performante que d'habitude.